L'appli intelligente AcuraLink vous connecte à votre véhicule avec des commandes à distance, des informations en temps réel sur le véhicule, la prise de rendez-vous de service et plus encore. Pour profiter des excellentes fonctions d'AcuraLink, téléchargez d'abord l'application à partir d'Apple App Store ou de Google Play Store. Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'appli et suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer la configuration. Il existe plusieurs éléments importants dont il faut tenir compte quand on configure AcuraLink. Lorsqu'on vous le demande, entrez le NIF du véhicule pour l'ajouter à l'appli. Le NIF et son code à barre se trouvent sur le cadre de la porte du conducteur. Vous devrez aussi vous connecter à AcuraLink en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de Mon Garage qui peuvent avoir été créés au moment de la livraison du véhicule. Si vous n'avez pas encore de compte Mon Garage, vous pouvez sélectionner « Inscrivez-vous maintenant » et suivre les étapes additionnelles affichées à l'écran. Inscrivez-vous en utilisant la même adresse de courriel, le même numéro de téléphone et le même code postal que ceux fournis à votre concessionnaire à l'achat du véhicule. Pour commencer votre essai gratuit, sélectionnez « Activer l'essai » quand le système le demande. Vous n'avez pas à entrer l'information de votre carte de crédit ni à vous engager à quoi que ce soit pour activer votre essai. À la fin de votre période d'essai, vous aurez la possibilité de souscrire un abonnement récurrent. Finalement, vous devrez peut-être vérifier l'accès au véhicule avant d'utiliser les services à distance. Si c'est le cas, l'appli AcuraLink vous demandera de suivre des étapes simples de vérification de connexion pendant que vous êtes dans votre véhicule. Vous vous assurerez ainsi que votre application est autorisée à accéder à distance à certaines commandes du véhicule. Remarque! Si vous avez activé votre essai gratuit par le biais de l'expérience de livraison Mon Garage lorsque vous avez pris possession du véhicule, certaines des étapes décrites dans cette vidéo peuvent ne pas s'appliquer. Pour en savoir plus sur AcuraLink et sur d'autres fonctions de véhicules connectés offertes pour votre Acura, rendez-vous à acurahelp.ca.